Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. Ne manquez pas nos mises à jour quotidiennes en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Aujourd'hui, le mardi 20 juin 2023, on va parler de la modernisation en cours des forces armées royales propulsées par des collaborations avec Israël et les États-Unis. L'armement, un secteur clé, tire indéniablement profit de l'approfondissement des liens entre le Maroc et Israël. Selon les informations révélées par le forum spécialisé Pharmaroc, les forces armées royales auraient bénéficié d'un envoi de drones Suicide SpyX, des produits de pointe fabriqués par la société israélienne Bluebird Aerosystems. De surcroît, à peine l'exercice militaire African Lion s'est-il achevé que le Maroc se prépare déjà à recevoir une généreuse donation américaine, 500 véhicules militaires destinés à renforcer sa puissance armée. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Maroc Hebdo et le 360. Avant de plonger dans l'actualité du jour, permettez-moi de vous rappeler que notre sponsor officiel est billetsbateaumaroc.fr, un moteur de réservation de billets de bateau entre la France, l'Espagne, l'Italie et bien sûr le Maroc. Réservez dès maintenant votre voyage et explorez les merveilles du Maroc en toute tranquillité. S'il y a un domaine qui profite bien du rapprochement entre le Maroc et Israël, c'est bien celui de l'armement. Les forces armées royales, FAR, aurait reçu un lot de drones Suicide SpyX fabriqués par la société israélienne Bluebird Aerosystems, a révélé lundi le forum spécialisé Pharmaroc sur Facebook. D'après la firme israélienne, SpyX est un drone kamikaze électrique qui dispose d'une portée opérationnelle allant jusqu'à 50 km, et peut voler en autonomie totale jusqu'à 1h30 sans devoir être rechargé. L'engin est d'une longueur de 2 mètres et d'une largeur de 1,4 mètres et peut porter une ogive de 2,5 kg, tout en volant à une vitesse qui peut atteindre 150 km par heure, voire passer à 250 km par heure au moment d'attaquer. Le type de charge explosive portée peut varier selon la cible. Selon le descriptif publié par Bluebird Aerosystems, le drone en question opère avec l'appui d'un autre type de drone spécialisé dans la reconnaissance, le VTOL, afin de garantir la réussite de l'attaque contre les cibles statiques mais aussi celles en mouvement. De ce fait, SpyX donne à son utilisateur un avantage tactique certain sur le terrain, poursuit la société israélienne. Toujours avec les partenariats dans le domaine de la défense, au lendemain immédiat de la clôture de l'exercice African Lion 2023, le Maroc s'apprête à recevoir un don de 500 véhicules militaires de la part de l'armée américaine. Ce don se veut à la fois un moyen de soulager l'US Army de son excédent d'équipement, qu'une manière concrète de soutenir l'effort de modernisation et de développement mené par les forces armées royales. Le deal a déjà reçu l'aval de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine. L'opération s'inscrit dans le cadre du programme Excess Defense Article, EDA, les articles de défense excédentaire, qui consiste à transférer des équipements de défense excédentaire à des gouvernements étrangers partenaires ou à des organisations internationales. Le Maroc et les États-Unis sont liés par un partenariat militaire stratégique, objet d'une feuille de route 2020 à 2030 pour la coopération en matière de défense. Point culminant de cette coopération, l'organisation au Maroc de l'African Lion, le plus important exercice militaire de l'armée américaine sur le continent africain. Cet exercice, dont l'édition 2023 a pris fin le 16 juin, s'est déroulé dans cette région du Maroc, Agadir, Tantane, Mébès, Tiznit, Kenitra, Benguerir et Tifnit. Il s'agit d'un rendez-vous annuel qui contribue à la consolidation de la coopération militaire maroco-américaine et au renforcement des échanges entre les forces armées de différents pays alliés, en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.